Ouais, Bon, on va repartir pour le 3v3. Du coup, ça nous fait un score de 4 pour les reliques, 0 pour la DGM. Par conséquent, les reliques ont une option de qualification sur ce 3v3. Est-ce que tu as 5 secondes? je suis à 5 secondes, je l'attends. Remets mon jeu. Alors, on est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. Alors, on a côté DGM, on a Archis, Crime et Gagzoul. Côté relique, on a Mithiriath, Furio et Comrade. Comrade qui est l'ami Noubibix, OK. si j'ai bien suivi. Je te laisse présenter les commandants côté DGM. Allez, donc on a Gagzul qui a pris l'IS-52 avec les troupes de choc et le bombardement d'IL-2. On a le lance-flamme avec les papelitos et le tir de barrage et les troupes de choc, un bon commandant. Et ensuite, il a un commandant un petit peu similaire avec le KV lance-flamme, les troupes de choc, l'IL-2 et encore les papelitos. Donc on verra bien ce qu'il va choisir. Ensuite, Archie, il a déjà choisi son commandant, donc compagnie d'assaut urbain qui file les Rangers, le Calliope et. Les molos. Et ensuite, on a Scrime qui a pris les Bricks avec le Valentine's, le Sexton. Il peut sortir les lance-flammes avec le Havre et le bombardement incendiaire, avec le champ de commandement et enfin les commandos avec la suprématie aérienne et différentes options pour boost son infanterie plus les commandos. Voilà. Côté allié, on a Furio qui a choisi son commandant. Il a pris stratégie d'assaut mécanisé avec les grenadiers d'assaut, groupe d'assaut mécanisé, le Stug 3 OFF-E, le tir de barrage d'artillerie légère et le Tigre. Mithy se laisse le choix entre stratégie de guerre éclair avec l'infanterie Jaeger, déplacement tactique, la relève d'infanterie, le char Tigre et la pluie de Stuka. La stratégie des groupes d'élite avec le Tigre de l'As, les sections d'assaut d'élite, les Gevers, les grenades flash et les tactiques de blindés. Le Festung, commandant avec le Halftrack 257, les fumigènes, la relève d'infanterie, le FH et pilonnage de secteur. Et pour Noobix, qui est parti au K, on a les Panzer fusillés, char Tigre avec les STG infrarouges. On a le Hetzer, Blitz, barrage de roquettes et lance-flammes pour sapeurs. Ça peut faire mal. Ouais. Et on a le opération spéciale avec le P4 de Co. Exactement. Et alors, je ne sais pas si tu as vu, ça a sorti de la mitrailleuse. Il y a deux MG, une Vickers et. Du côté. Attends, je regarde. Et Gagzul, il a sorti deux. Je vais arriver deux Maximes, donc ça cherche à verrouiller. Ça fait de la mitrailleuse sur le champ de bataille. Là, le Riquin qui a poussé très haut, à gauche. Donc bon, il va être obligé de se replier. Ouais. Qui a pu leur cote les munitions ouais. à l'axe. On a un carburant Alors de là, chaque côté. exactement. J'allais dire, là, il y a une troupe de. Je ne sais pas si tu vois la boîte de travail de la bouge. Je sais pas ce qu'il attendait, Scrime avec son unité là qui est au niveau de l'étoile à gauche. Il y a une troupe d'Oka qui se balade en bas là. Je Et il y a remarque. déjà un mortier. Aussi, elle est au niveau du lance-flamme. Tu vois les génies lance-flamme Ah. Wehrmacht là? Il y a une troupe d'Oka. Il y a deux troupes d'Oka d'ailleurs. Donc il est parti Firestorm, l'Oka. Donc Conrad, et à mon avis, c'est un bon choix dans cette map, en tout cas dans la ville. Ça risque de chasser pas mal les alliés des bâtiments. À voir comment ils s'en servent. Et on a sorti un Bren lance-flamme du côté brick. Alors je regarde pas trop ce qui passe à droite. Où est-ce qu'il en est? Il a un mortier, deux Maximes, une recrue, ouais.
Donc ça joue le feu. Hein. On voit que la plupart des équipes sont passées lance-flammes avec leurs genoux. Je sais pas si tu vois, il y a un combat entre le Bren et des génies lance-flammes de l'autre côté. Mais bon, le Bren, elle a porté pour lui, hein, donc le génie va pas grand chose. Ouais. On a un point de cul, enfin, ouais. C'est bon. Monté haut, oui. Côté à droite. Exactement. Mythique est monté haut. Gexul qui sécure son étoile et ses munis à droite. Il a ramené son mortier pour déloger la MG. Exactement. Qui le bloque. Ouais, MG de Mitty, ouais. Ouais. Et là, ça a les deux fuel. Alors que les alliés ont les deux munis. Enfin, ils vont avoir les deux fuel là à l'instant, ouais. Alors, il a pris sélection d'assaut d'élite, Furio. Alors, parce que du coup, je fais pas souvent de 3v3, donc. Même jamais. Donc, si t'en fais un peu plus, je te laisse. Je te laisse en parler. T'auras sûrement plus d'autres choses à en dire que moi. Ouais, bah ça. Je pense que ça dépend où est-ce qu'il se retrouve sur la carte. Là, il est complètement à gauche. C'est plein de petits recoins, de petits espaces pour flank. Et aller se retrouver en close combat. Donc, je pense que c'est complètement viable sur la partie gauche. Ça le sera moins sur l'étoile du mid. Là, il y a Conrad là, qui avec ses deux sélections de Sturm lance-flamme, là, il fait la police. Mais que fait la police? Ah ouais, là, il y a. Là, et puis back, puis il a raison de backer Gagzul, parce que. Bon, bah, du coup, ça va recaper à droite. Après, il était monté assez haut et ils sont au milieu. La Wehrmacht a pas mal poussé au milieu. Oui, puis ça va. Le Bren lance-flamme, là, qui est quand même sacrément utile. Est-ce qu'il va faire un tir ciblé? Non. Il va pousser les troupes d'assaut, là, qui peuvent rien faire contre le Bren. Ils n'ont pas de Faust et il back. Et je regarde un peu vite pour voir où ils en sont au niveau des techs. Il y a un mortier Brit qui a été posé, je sais pas si t'as vu. Ouais. Après, il a pas l'air d'avoir. Pour l'instant, il. Alors attends, il l'a mis assez bas, je trouve. Je sais pas, ouais, il peut pas toujours sur l'essence. Ouais, c'est bizarre. Ouais, la portée est faible, l'arme. Et il y a un 2-2-2 qui fait le tour, certainement pour aller chercher le Bren, enfin, mon pays. Là, tu vois, il est en ciblage des véhicules, à mon avis, il va essayer d'aller chercher le Bren, là, c'est tout à gauche. Il a un projet, ouais. Et il est à Furio, celui-là, et il va tomber dessus, là. Et en plus, les dangers sont en bas, donc là... Ouais, à mon avis, là, il est perdu, là. Ouais. Il va essayer de jouer sur la vitesse et les bonus de route, mais à mon avis, là, il va le perdre. Ah, c'est bien joué, ça, bonne réaction. Parce qu'il m'enquiquinait vraiment beaucoup, hein. Donc, bonne réaction de la part de Furio. Et les alliés qui repoussent au milieu avec Archie et les fusillés. Bon, on connaît la puissance de feu des fusillés. Ça va permettre de respirer un peu. Voilà. D'avoir pu récupérer ce fuel. Il utilise le camion Opel Blitz, le Loka, là, pour se renforcer, etc. C'est assez bien joué. Section à nouveau complète. Ça lui permet de maintenir une présence sur le front. Et il en est où, Gagzul, là, avec ses Maxims? Mitty a pris une méchante grenade. Ah oui, il back avec une grenadier, là. Ouais. Il y a un 2-2-2 qui sort. Il y a de la vétérance sur les troupes de Archie, donc voilà. Il y a le grenade anti-char qui est parti, mais ça suffira pas pour le terminer. Il arrive avec des ingés équipés. Nubix qui a perdu son Sturm lance-flamme sur ce bac. Ah, ça fait mal, ça. Et alors, il est parti sur le P2. Alors là, tu vois, il essaye de se renforcer, c'est assez bien joué, ça permet de battre une présence. Et mine de rien, notre ami Furio qui pousse lentement mais sûrement sur la gauche. Ah, il y a un AEC qui est sorti pour screen. Mais bon, là pour l'instant, les 2-2-2 est derrière, donc il y en a à l'abri pour l'instant. Donc il trouve pas forcément son utilité. Ah, ça se bat un peu partout, il y a Gagzul qui repart. Alors je sais pas ce qu'il fait avec ses génies dans le flamme, je crois qu'il allait caper le. Il va peut-être poser une mine.
Bon, il va traverser certainement pour aller chercher le... Il vous faut quelque chose. Je sais pas. Il va rencontrer d'autres ingés là ou quoi? Ouais. Et puis après il se balade, il a sorti des trucs de choc, ça sort un plus 70. Et on en est où au niveau des véhicules là? Il en est où le... Il sort un square du côté d'Archi, pour les alliés, il y a un AEC, un square pour plus 70. Et pour les Allemands, il y a déjà un P4 pour Mickey. Ouais. Furio, il a un AEC. Et on va avoir un Stuka sur pied qui va être sorti du côté de... Exactement, ouais. Tout à fait. Soit pour aller contrer les Maxims de Gagzul, soit peut-être pour le mortier. Mais bon, le mortier brick, il est quand même assez loin. Pour aller le chercher, pas forcément évident. Et au niveau de les... Attends, il y a un combat entre l'AEC et l'infanterie l'AEC. Et alors Conrad là qui a tout de suite basculé tout à gauche là. Il a été aidé Furio et du coup bah Mitty ouais. Il en est où, là. Ils sont trois à gauche. Ouais, mais chercher les troupes de Mitty là. Ouais, ils sont un peu au milieu mais il n'y a plus personne à droite et Gagzul t'en demandait pas tant quoi. Qu'a plutôt reprendre. Mmh. Ils sont vraiment stack. Hein. Ouais. Et Stoppelbitz qui se promène là. Qui... Ouais, mais il s'en sert bien, il s'en sert bien pour l'instant. Ça renforce pas mal. J'ai même semblé qu'il y avait un. Alors c'est Furio qui a pas mal d'essence. Est-ce que ça a fait des caches déjà? Bon, il y a une cache qui a été faite du côté des Allemands. Et du côté. Ou le Stuart là. Une Stuart. Le top du mid, ouais, il est tombé. Ah, je l'ai, ouais. Tu dois avoir une petite seconde d'avance sur moi, je pense. Je suis à 11, 11, 12, 13, ouais, 14. Une seconde d'avance sur moi. Ouais, c'est pas très grave. Et. Ok, bah le P4 là qui va pousser, il y a quoi en face pour répondre à ce P4? Il y a un AT du côté de Scream. Et puis c'est tout. C'est tout là. Et là, Gagzul, bon après il y a des mines, hein. Mais Gagzul il va rien faire pour pouvoir contrer le P4. Et le 2-2-2 qui nettoie. Pardon. Est-ce que ça sort des AT du coup? Non. Il a eu des pertes, Scream, là, parce que je vois qu'il a plus que le trou de l'infanterie. Genre, j'ai pas regardé son set de départ, mais... Ah, j'ai pas beaucoup regardé non plus, là, mais c'est vrai que... C'est vrai après, qu'il a ça plus se voit. Ensuite, tu regardes les peuples des Allemands et des Alliés... Fusée prête à éclairer le feu. Un petit peu plus pour la Wehrmacht. Ouais. Ils viennent défendre leur fuel, là, à 3. Est-ce que le Chouka a tiré là? T'as vu? Je l'ai pas regardé. Je l'ai pas encore entendu. Je l'ai pas entendu. Ah ouais, il a tiré parce qu'il a déjà 5 victimes. Donc, il a tiré. J'essaierai de regarder pour surveiller s'il retire. T70 qui s'est pris un fausse. Ouais. Ah, est-ce que Mitty va y aller avec son P4? Il a l'air de s'y diriger. Il y a pas de mine, je vois. Ouais, il a pas de mine, et puis tu vois, alors là, la T qui dirige dans la mauvaise direction. Ah, le T70 qui va mourir. Le T70, et alors là, s'il poursuit, il peut se faire même l'AEC. Hein. Ah, il essaye de le planquer, mais. Je comprends pas pourquoi il vient pas aider. Il vient aider Extreme avec son AT là, parce qu'ils vont tout perdre. Là, il y a l'AEC, mais. Ça suffira pas. Hein. Ton outil qui se replie. Il a raison parce qu'il y avait les ingés. Par contre il faut qu'il back parce que les ingés plus l'AEC plus l'AT. Il a utilisé la compétence de l'AEC, ça c'est assez bien joué. Et puis on profite. Il arrive à s'écarter de là. Ouais. Ah, il y a le Chouka par contre là, je sais pas ce qu'il fait. Le P2, le Stuka. Ah, le P2 qui tombe. Bon. Le P2 qui va tomber. Qui tombe. Ouais. Fausse sur l'AEC, c'est bien parce que tu me spoil. Non, mais on a une seconde, c'est pas bien méchant. L'étoile qui va être reprise à gauche là.
Et puis bon bah le lance-flamme des Storms là qui. Alors t'as vu il y a une. C'est quoi ça? Il y a une talaire qui a été posée sur la route principale. Avis aux amateurs. Juste en dessous des troupes d'archi là. Ouais. C'est vrai qu'on regarde pas trop Blackville là, il va sûrement pouvoir poser plainte, on regarde pas tout ce qu'il fait, mais il reprend le territoire à chaque fois quoi. Là il y a des Storms, il y a ressorti des Storms d'ailleurs, Conrad là. Donc ils vont être attrapés, non ça va, il a de la chance, il arrive à les faire passer. Et le Shuka qui a encore tiré pas, non. Enfin, il l'emmène à droite certainement pour contrer les Maximes. Qu'est-ce qui balance des flares là depuis tout à l'heure là? C'est une bonne question. Je vois pas. Ah si, c'est le Brit avec avertissement anticipé. Donc le Brit qui a choisi son commandant, on l'a pas dit, mais avec le Valentine's et le Sexton. Donc, je pense que tous les commandants ont été choisis. Hein. Black Zul avec l'issue. Il y a que Mitty qui a pas choisi son commandant. Il y a que Mitty, ouais, il y a que Mitty. Apparemment, il y a des lags, parce que il nous dit. Il a interrompu son tir. Bah, il semblerait. J'ai vu qu'un obus tomber. Mythique est chassé. Il se balade avec son petit Opel Blitz un peu partout pour aller recharger ses troupes. Il le joue assez bien d'ailleurs. Et au niveau des. Alors, on en est où? Ah, il a posé son QG que je trouve pas. Tu vois le QG de Loka? Ah oui, il est là. QG Flak? Ouais, ça y est, il l'a posé. Assez à découvert d'ailleurs. Enfin bon, après, il est assez en retrait, donc logiquement, ils sont assez tranquilles pour l'instant. Il le up là. Et alors, on en est où au niveau. Bah, ils ont. Il y a un point de rassemblement avancé qui a été fait aussi par le Brit. Mais assez loin, alors je comprends pas trop. Pourquoi il a mis son mortier si loin avec un point de rassemblement avancé, je. Ouais, il en fait un plus avancé. Il y a un wipe qui. Il y a un wipe de troupes. Et le Rikin qui commence à faire du dégât. Il y a le 2-2-2 qui va sûrement tomber. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il a le moteur détruit. Ouais. Douce les S-Mine. Oui. Ah, il a mis le lieutenant qui a mis 3 quarts d'heure à foutre cette munition de bazooka. Là, le lieutenant qui s'en sort un poil de fesses, mais les rangers qui sont tombés. Oh, je sais pas s'il va rentrer serein sur le bac. Ouais, t'as vu. Oulala, faudrait pas que ça tire sur la Taylor. Ça, c'est un coup à se blesser soi-même. Il se fait découper sur le bac, Archie. Ouais. Il a perdu 2 troupes minimum. Et là, le P4 qui. Le double P4 de. Mitty qui a fait 2 quoi. Là, ça commence à pousser assez costaud. Le Archi qui a perdu gros. Scream, il a un AEC, un AT. Il a fait 2 mortiers, Scream. 2 mortiers. C'est quand même. Barrage d'artillerie légère qui est lancé sur les positions. Ouais. Hein. Sur la position. Ouais, mais là il a fait 2 mortiers, Scream, c'est quand même couillé. Enfin, ça, vu le prix que ça coûte. Ouais, je sais pas trop. Et là les 2 P4 de Mitty qui. Ils ont rien en face. Hein. Vous savez, ça sort un AT du côté d'Archi. Un AT, et puis il en est eu, Gabzil là. Ça a sorti un issue 85. Bon, déjà ça va aider. Et ensuite Furio, il en est où? Il a 300 d'essence, Furio. Il a 300 d'essence. Il va bientôt avoir son 9e point de commandement pour le Tigre, peut-être. Ouais, bah c'est sûr qu'il attend ça, de toute façon, vu qu'il a écho. Il va le sortir dans très peu de temps. Et ensuite, côté Oka, il en est où? Et ça sort un pétard du côté de l'Oka. Là, les Allemands qui sont plutôt bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai pas compris. L'AEC, l'AEC qui a roulé sur la Taylor. L'AEC sur la Taylor, voilà. Ça rebalance des flares du côté du brick, mais le problème, c'est que c'est mortier. Moi, je les trouve très éloignés du front. Ouais. Le deuxième, il a la portée sur le. Ouais, mais. Ouais, mais bon.
ça te coûte quand même 350 si je dis pas n'importe quoi. Bon, il y a un Calliope qui est sorti pour faire le ménage. Il tire d'ailleurs. Certainement sur le Wehrmacht, ouais, exactement. Donc, ça va certainement le repousser un peu. Et ça permet de déminer un peu les S-mines sur le point de fuel. Exactement. Bon, puis le problème en fait, c'est que Gagzul il est tout à droite et il tire assez. Enfin, il reprend les points. Mais ils sont complètement coupés au milieu. Noka qui se promène entre les lignes. Et ça va leur poser sacrément des problèmes. Il en est où avec son Shuka? Parce que je le vois jamais tirer. Je le vois se balader, mais il va tirer là. Non? Et il peut en tout cas. Non, il tire pas. Je sais pas. Non. Pas cette fois. Bon, je suis 85. Ouais. Chasseur chassé. Et là. Ouais, puis il tire à côté en plus. Et est-ce qu'il y a quelque chose pour le couvrir? Les trucs de choc, ça sert à rien dans ce cas-là. Est-ce qu'il a. Il a rien, il a rien. Il a pas miné. Puis alors là, Mythique, il sent le coup, qui va aussi. Et il s'en sort. À deux, là, ça risque d'être complexe. Allez, Mythique prend le relais. Ah, il a perdu son P4. Après, oui, il va perdre peut-être le P4 parce que ça fait du dégât. Ouais, il perd le P4, mais. Ils ont bien combiné là. Et puis en attendant de l'autre côté, il y a un tigre qui est sorti qui commence à faire le café. Puis la position qui est renforcée. Bon après il y a une petite rangée d'athées, faut pas non plus qu'il rigole, il y a un Firefly du côté de l'anglais. Par contre il est dans la maison le conseiller de l'ESA. Bon de toute façon la position qui va être perdue. Ouais. Emplacement détruit par l'ennemi. Donc au niveau des chars, on fait un petit point. Pardon, un petit point du côté allié. Il y a un Calliope, un canon. Il y a un Calliope. Il y a un Firefly du côté. Du côté Brit. Et alors là, par contre, Gagzul, son armée, elle a fondu comme neige au soleil. Hein. Du côté. Il a toujours pas choisi de commandant, Mickey. Par contre, ouais, le problème, c'est l'essence. Ouais, ils sont et puis alors Mythique a 1400 points d'effectifs. Une bonne conservation d'unité, même s'il n'y a pas beaucoup de vétérans. Qu'est-ce qu'il a posé? Il pose un champ de mine, je sais pas si tu vois, en dessous de l'essence. Il y a le Shtuka qui a tiré. Il y a une troupe qui est passée entre les mailles du filet là, mais. Ouais. Est-ce que Gagzul devrait pas repartir un peu sur le centre au lieu de s'acharner Parce qu'ils sont coupés en deux en fait. C'est ouais, c'est ça, puis à chaque fois ils viennent le chercher à deux, du coup, ils abandonnent. Ils finissent par abandonner la droite, aller à trois à gauche. Ils abandonnent complètement la droite, ils récupèrent la droite, puis après ils viennent à deux sur lui. Quand ses alliés sont en train de reprendre leur souffle. Ouais. Enfin, le problème c'est qu'il y a un tigre en face, ils ont un Firefly. Bon. Mais qui est amoché, il tire à côté en plus, et puis il y a un AT derrière, le Firefly, ça n'a pas un blindage exceptionnel. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir? Ils sont chassés au milieu là, puis Mitty, les grenadiers avec le MG42 V2, ça commence à plus rigoler du tout. Ah, Gagzul qui se recentre un peu sur le centre, pardon. Ouais. Alors attends, Gagzul, il aurait pas balancé un tir diagonal? Si, mais je suis pas sûr qu'il ait fait grand dégât. Les deux troupes de choc, ça force au bac l'infanterie, mais. Oh, le tir de Calliope là-dedans, là. Ouais, exactement. Oh là, alors là, ça fait du dégât, par contre, ils ont raison de baquer. Ouh là 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 là, heureusement qu'ils s'en sont rendus compte parce que. Mais bon, il y a un SR qui est sorti du côté de Loka, c'est une vraie saloperie, ça. C'est une horreur, c'est un blindage monstrueux. Enfin, je trouve, en tout cas. Ouais. Et ça, non, c'est... Ça, c'est une petite saleté, ça. Ah, ça, c'est plus autorisé dans les conventions de Genève. En plus, ils tirent à travers... Ah non, mais c'est une infection. c'est éliminé dès que c'est repéré, ça. Surtout après, quand c'est vêt, hein, c'est imperçable. Oh, regarde, il prend un coup d'athée, c'est comme si ça avait eu une chatouille. Il a double athée. Une caresse. Ah non,
exactement ça. Une chicnote, quoi. Et ça sort. Alors, putain, ça commence à produire des. Attends, hop là. Hop, que je vais me mettre dessus. Et qu'est-ce que ça sort là? Il en sort un deuxième, il sort un deuxième Edzer, Loka. Il en est où le Brit? Est-ce qu'il a toujours ses positions Il en a une. Mais les Allemands sont quand même bien en place. Et il en refait une. Il en refait une non, mais là. Non. C'est... Je sais pas, ils me diront ce que les gens en disent dans les commentaires, mais refaire une position de mortier à ce moment-là de la game, je sais pas. Furieux qui a sorti un Brombard. Ouais, bah, pas bête. Ouais. Puis là, sa position avec le Brombard, pareil quoi. Et le Firefly qui va aller le chercher. Ouais, mais faut qu'il fasse gaffe. Hein. Il est où la T là de. Ouais, il y a un tic juste derrière. Hein. Il lui mettra un coup, mais c'est solide un Brombard, hein. Il va pas l'avoir comme ça. Ça tire l'Oka qui tire. Il tire où là? Il tire sur le Firefly. Ah. Ouais, il a pas fait grand dégât. Alors, la Territien qui a bu, qui a tiré à côté. Et là, le problème, c'est que la droite, il est complètement délaissé. Et regarde l'assaut au mid avec les deux Edzer, plus les deux P4 et toute l'infanterie. Ça va devenir complexe. Bon, après, il a quand même un SU 85 et deux AT. Faut quand même qu'il fasse gaffe en face. Ah, il a du répondant. Non, Gazul, il est bien. Il est bien dans la game. Il a des troupes. Je dirais pas qu'il a spam les troupes de choc. Ouh, le tir d'artis là. Ouais. Oh là là, là ça wipe. Oula. Oh là là. Oh là là, Gagzil, il a. Oh là là, oh, Gagzil, il a pris vraiment cher là. Oh, le barrage de roquettes. Oh là là, ouais. Il a perdu deux trucs de choc. Bon, l'anglais qui a l'air de faire. Sa strat a l'air de fonctionner. Bon, là par contre, il s'est pris un tir de Brandbar et ça l'a renvoyé chez lui. Le Firefly va éteindre, mais il faut pas qu'il rigole, il a un AT. Le Brandbar qui tombe, ça c'est plutôt bien joué. Firefly qui s'en sort. Je vais aller se cacher derrière les citernes. Et Mitty pendant ce temps-là. Que fait Mitty? Brandbar aussi pour Mitty. 264 d'essence. Il a sorti quelque chose, il a sorti un Jackson, l'US, à l'instant. De toute façon, ils ont raison. La distance. Faut qu'ils empêchent les Edzer de les enquiquiner, parce que c'est un vrai supplice. Ils se sont bien repris, j'ai cru un moment que, et les alliés sont pas tenus. Et tu vois les mines de rien, la position de mortier, mais elle est quand même V2, elle a l'air quand même de les enquiquiner un peu. Peut-être un AT qui va tomber, ouais. Bon, après, bon, il a de l'infanterie derrière pour sécuriser. Et il a pu tout déminer à droite. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, je voyais un petit démineur qui se baladait là. Il a une armée de. Oh là, ça c'est magnifique. Et le tir de Calliope sur la réparation. Heureusement qu'il l'a vu parce que. Oh, magnifique. Wipe de la troupe. Ça c'est assez beau, ouais. J'ai raté. Sur les deux Edzer, il y avait les chombes qui réparaient. Il l'a baqué très vite. Il a eu de la chance parce que c'était un wipe assuré. Barrage avec Lupis. Non, c'est. Jackson au milieu. Après, le problème c'est que le Brit il a. Il est quand même sacrément emmerdé avec le tigre. Il fait un deuxième Firefly pour essayer de contrer un peu le tigre. Il commence à faire des plus clairs. Oh putain, et la T qui ricoche quoi. La TV2 qui ricoche. Il a un tir à Keton en fufu pour aller mettre un coup au SU. Oh, le SU qui a pris un dégât moteur, il est bloqué par la haie. Là, ouais, ils vont y arriver. Ouais, non, ils gênent, je sais pas trop ce qu'ils font.
le Jackson qui a peut-être lui filé un coup de main. Oh, il tire à côté du... Ouais. La RNG n'est pas là. Non. Furio qui va récupérer l'étoile de gauche. Exactement, et puis j'allais dire, les troupes d'assaut, la V3, là, ça commence à faire la différence. Je les trouve assez difficiles au début, mais dès que ça commence à être vête, c'est loin d'être dégueulasse. Ouais, elles font mal, mais elles sont un peu fragiles. Ouais. Alors il a deux Firefly, il est où son deuxième Firefly? Il arrive sur le front, on a le Calliope qui est quand même à combien? À 18 kills. Et du côté, on en est où là? Du côté... côté de Furio, il sort quoi? Il sort un Panther, non? Enfin, il sort un Shtug. On sort un Shtug du côté de Furio, 1300 d'essence, il a quoi? Il a sorti une level. Tir de barrage de roquettes sur les AT de Gabzul. Ouais, exactement. Ouais, tu gagnes en avance à chaque fois. Je l'ai vu venir de loin. Il l'a vu. Il est où là? 23, 24. Ah ouais, t'es vachement en avance par rapport à moi, je suis à 30-18. Quand je fais pause à 30-35. Allez. Tu me dis quand il est. Je suis à 32, 33, 34, 35. Je me pose. Je suis à, pause à 35. Je suis à 36, du coup, j'ai cru qu'on allait refaire play ensemble. On va l'arrêter. Je me mets à 36. Et je suis à 36. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Top. Voilà. Et alors là, la SU-85, alors, tu as les deux P4 de Nitti aux fesses. Bon, ils n'ont pas tiré. Mais Gadget qui se fait pousser lentement, mais sûrement. Et là, les deux Hetzer, vraiment, ça c'est atroce. Plus le bombardement Chica sur la pharma, oh là là. Alors là, il y a eu du dégât. Voilà. Et il reste plus rien, quoi. Il faudra un microscope pour... Et la troupe de Ranger qui va pas rentrer, là. Non, non. Et la troupe derrière, oh là 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 là. Archie, là, il s'est fait dévaster. Il lui reste un Jackson et un lieutenant. Ouais, compliqué là. Archi compliqué. Sans jeu de mots. L'anglais. Ouais. Et Scream, bon, il a quand même quelques trucs. Il a deux Firefly vêtes. C'est bien, un AT, il a quelques trucs vêtes. Il a 500 d'effectifs, il a de l'essence, il est pas tout lourd. Et puis Gagzul, il a sorti un deuxième SU-85 qui traverse le premier, normal. Et qui force au repli, le brandbar de Mitty. Il y a les Oka là qui posent des mines, veux-tu, voilà. Et il a été chercheur, il a dû prendre un champ de mine tout à droite là parce qu'il lui reste une troupe qui est pieds dans un champ de mine. Le moindre mouvement c'est terminé quoi. Faut pas qu'il éternue là. Il y en a partout. Ouais. Et là par contre le Brit là, Craig qui a le. La MG dans le bâtiment gauche qui se fait pilonner. Ouais, exactement. Qui a été perdu d'ailleurs. Ah non, elle est où? Dans le bâtiment en face de l'étoile, là. Mais c'est bon, elle s'en sort. Alors, je vois pas du tout, mais oui. Voilà, elle est en train de back, elle court, là. Voilà, deuxième troupe de choc. C'est une Vickers. Oui. Ah oui, j'étais en train de chercher une MG, et du coup, c'est là, avec quelle MG. Alors il y a un bunker de soins qui a été posé par Furio là au nord. Ouais, il lui fait du bien, il lui donne la présence qu'il a besoin. Là, les Allemands, le Clurican il se refasse absolument parce que Archie là parce que. Alors bon il a les Jackson hein, mais question infanterie. Alors là il sort une 50, ouais. La position qui va peut-être tomber. Et alors il va être fait Jackson, mais là il y a du racketan en embuscade dans la position. Oula oula.
C'est solide, c'est exerbe, c'est une horreur. Oh là là, mais il est tout de même pas quoi. Non, mais, oh là, c'est... Oh, tu perds un Jackson, oh là, ça fait mal quoi. Là. Non mais, c'est... Non mais le Hetzer, c'est incroyable. C'est... Je suis désolé, on sent que ce véhicule m'a fait rager un certain nombre de fois. On sent que t'as un contre réglé avec le Hetzer. Non mais c'est... Et alors la T va peut-être tomber, ouais, la T qui tombe et quand même amoché. Et puis là, il y a tout double truc d'assaut là, qui arrive sur, le, sur les ingés qu'on n'a rien demandé à personne. Pour les Fireflakes, ils vont essayer d'aller chercher le tigre. Bon, de toute façon, ils ont raison. Ils vont peut-être l'avoir quand même. Ah, il recule. Ah, puis il n'ose pas y aller. L'adversaire est descendu à 100 points. Les Fireflakes. Si, les Fireflakes, ils commencent à envoyer des dragées assez solides. Il y a eu un très beau tir de Calliope au mid. Ah, j'ai pas vu. Oh, la mine. Ça, ça... Je sais pas si t'as vu, Mythique a pris une mine au milieu. Et je me demande si c'est pas une telle air qu'il venait de poser. Ah. Et, bah, ouais, et ça aurait été magnifique parce qu'en gros, il a fait un tir de 10 sur l'ingé. Et le char est passé à ce moment-là. Et je crois qu'il a pris la mine, mais à vérifier. Hein. Je crois que c'est ça. Ah, il confirme qu'il a eu mal. Malgré qu'il soit matinal. Mythique. Ouais. Et alors, ils nous confirment si c'était une telère qu'ils avaient placée eux. Il y a une mine qui a été prise par, par un Jackson. Ah, il y a des telères, mais partout. Alors, il y a un bombardement. Qu'est-ce qu'ils bombardent là? Bon, puis les tickets, on en a pas parlé tout à l'heure, on discute, on n'a pas regardé les tickets, mais. Les tickets qui ont bien fondu. Hein. Là, 50 points. Peut-être que Gagzul va se recentrer. Il a ses deux, il a ses deux SU là. Peut-être qu'il va se recentrer sur l'étoile du mid là, qu'il est parti chercher. Il est mort comment le Panzerwerfer là? Il s'est pris un tir du Su-85 qui est complètement parti dans le décor. Je sais pas, j'ai pas vu. Je t'avoue que j'ai été sur la gauche. Donc il y a Toucha qui tire là non? Ah non, c'est le Shuka. Non, c'est un tir de. C'est le tir de barrage roquette. Ouais. Oh, peut-être une grenade de. Ouais, échange de grenades. Bon, ça a repris les étoiles, hein, mais. Ça a repris. Ouais. Et un... si, 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 il y a un sextan là. Oui, je disais. Il y a un sextan du Brit. Ils ont raison. De toute façon, il faut qu'ils fassent bouger. Il n'y a pas le choix. Parce que. Au niveau des. Je regarde un petit peu. La mythique à 400 de fuel. 300 pour Furio et 361 pour Conrad. Un point de capture est envahi. Oui, ça, ils ont de la réserve. Et puis, Mitty vient de choisir son commandant. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il a pris? Ouais. Bon, il va sortir le tigre. Hein, c'est le direct faire. Il sort immédiatement son tigre. Oui. Et alors, il y a. Il y a un tigre légère qui est balancé. Et il pourrait aussi faire un appui rapproché de Shtuka. Qui pourrait faire très mal aux deux Firefly. Ils seront d'ailleurs pilonnés par l'infanterie. Et il a sorti quoi là? Un petit Valentine. Bon, par contre, là, le Shtug, il prend des dragées. Ça rigole pas. Et l'étoile du mythe qui est contestée par l'Oka. Alors, du coup, bah, Gagzul, il fait un peu de châssis. Mitty, il a un P4, un Panther et un Tigre. Il arrive, il va dire bonjour au truc de chef. Et puis alors, bah, Gagzul qui va avec ses deux SU. Ou le Hetzer. Ouais, les deux Hetzer. Ouais. Les deux qui sont mid-life. Là. Voilà. Ah, ça, ça fait plaisir. Et... Et il y a le Calliope qui a tiré, qui pousse ou qui force l'Oka au repli là. Ah, et du coup, Shrek à gauche qui s'approche des Su-85. À droite ou à gauche? À droite, pardon. Ouais. Exactement, ouais. Petite panthère qui tranquillement se dit qu'il va faire le tour pour aller ramasser les miettes. Ouais, le problème, c'est que là, son infanterie est en bac. Bon, après, il est manœuvré assez bien, Gagzul, c'est.
On a les Stuka qui sont lancés sur la zone. Ouais, exactement. Oh là là, ça pique. Là, je pense que t'es en A. C'est fou ou je suis en haut? Ouais, c'est bizarre. Non, non, mais je les vois. Hein. Bon, ils partent Z3. Est-ce qu'il va aller me chercher? 45 points. Oh, ouais, non. L'issue qui arrive à ce moment-là, comme je fais. Ah, mais attends, mais spoil pas. Oh là là, là, il a pris cher. Là par contre, là, oh là, par contre, le type de Mickey va être accompagné. Mais tire pas, Missou. Ah si. Bon, il va peut-être s'en sortir quand même, mais il va le mettre en longue vue pour essayer de le chercher, je pense. Du coup, regardant, je regarde un peu ce qui se passe de l'autre côté. Les deux Firefly de Sexton qui canardent. Il a toujours pas perdu son petit Valentine. Bon après vu qu'en face il y a que les grenadiers d'assaut, c'est pas gênant en soi. Et puis il faut quand même noter les deux Firefly Vet de Scream sont quand même c'est pas l'aise. Ouais, l'axe qui a tous les points et les, ouais, les tickets qui fondent là. Et là, je vois pas d'infanterie disponible pour points. Mais je pense que là c'est les GG qui vont tomber. C'est le Zer là, il en a eu un, mais... Bon, en soi, on va. Parce que ça renvoie les Firefly. Il ne nous reste que 10 points. Non, non. Et là, il va perdre son Valentine. Non, mais là, là, je vois pas comment il pourrait reprendre. C'est pas possible. Là, c'est fini. Et puis alors là, le Loka qui se rabattait sur le Brit là, pour faire un petit nettoyage, là, je sais pas si tu vois. Ouais. Mmh. Ah, ça va être complexe. Anubix, c'est toujours dans les coups fourbes. Hein. Ouais, ouais. Ah, game sympa, hein, ouais. Honnêtement. Ouais, game sympa, il y a eu de la contestation, hein, il y a beaucoup de mobilité de la part de Nobibix avec son Opel là, qui a pu switch à chaque fois pour faire le surpoids à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. Bonne utilisation, ouais. Ça donnait pas eu, en fait, ouais, il y a eu quelques wags du côté allié qui ont vraiment fait la différence. Archie, à un moment, il a pris un coup de Stuka monstrueux sur sa pharma, ça lui a fait vraiment mal. Hein. Et sur le bac derrière, il s'est fait wipe deux troupes en plus. Et... Ouais, bah, il était forcément, c'était déséquilibré. Ça les a pas aidés. Ouais. Et quand tu regardes le tableau des scores, là, en termes de dégâts, ouais, les. Peur, mais ouais. Les alliés ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Ouais. Je sais pas, mon ordi n'a pas l'air de vouloir aller sur le tableau des scores, mais... Eh bien... Non, mais gamme intéressante. Bon, MG, feu, mine, voilà quoi. Mais non, c'était bien joué. Hein. C'est vrai que vos tanks ont pris des dégâts, mais il n'y a pas eu de grosses pertes qui vous ont fait mal au niveau de vos chars. Vous avez su les préserver. Et ça y est, j'y suis. Canon M1 qui a 2400 d'efficacité. Fond de ressources. Les alliés, ouais, qui ont fait beaucoup plus de dégâts que... Ouais. Archie qui a tué le plus d'unités. Ouais, ils ont perdu lourd, ouais. Ah, Mitty, t'as vu, le graphique ne prévoit pas une ordonnée suffisamment haute pour voir à quel point t'as été économe. Ouais, le graphique, ouais. Le graphique fond de ressources. Ouais. Sky is limit. Après, disons que Mitty, il était en fait dans une position où il n'avait pas la pression ni du Riquin, ni du Brit. Ouais, il a pu peut-être un petit peu plus souffler, quoi. Ils ont eu peut-être l'intelligence de mieux s'entraider, l'axe. Ils poussaient au milieu ensemble et du coup, ils coupaient les alliés et Gaxul était pas mal isolé, quoi. Titeuteu qui fait remarquer que la courbe de ressources de Mitty peut être comparée à la courbe de propagation du coronavirus. Ouais. Ouais, ça,
C'est ça, hein, sans mesure de confinement, ça monte, ça monte, ça monte. Ouais, après les valeurs d'armée, bon là on voit le coup de Stuka, si tu te mets sur la courbe d'Archie, tu vois le coup de, tu vois un immense creux, et ça va être un moment où il prend le coup de Stuka, à mon sens. Ah oui, là, oui. Ouais, mais ça a fondu, mais vraiment, ouais, ça a À fondu. 30, 33 minutes à peu près, ouais. Ah ouais, je sais pas, il a pris Pharma et ensuite deux wipes de plus, ouais, non, ça lui a fait sacrément mal, là. Ouais. Non, mais game sympa, game vraiment sympa et agréable à commenter. Ouais, elle est intéressante. Bah, du coup, ça nous fait une victoire pour les Reliques de la Mort qui se qualifient avec 4 plus 3, ça fait 7 points à 0. Et je crois que la DGM n'a pas désiré jouer le 4v4. Ouais. Donc, on retrouvera les Reliques de la Mort en finale. Concernant leurs adversaires, ça se jouera entre les KLMT et les Kassos. On en est à combien sur le tableau des scores? Tac, 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 je regardais ça. On en est à deux partout. Niveau pour la deuxième demi-finale, donc deuxième demi-finale qui est serrée. Ouais, affaire à suivre. Affaire à suivre. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bon début de soirée. Pareillement. Et puis prenez soin de vous. Et puis ouais, et puis restez chez vous, hein. C'est le mot d'ordre du moment. Allez, ciao tout le monde. Allez, salut.